aujourd'hui. On espère que vous avez faim parce que nous, ça va super bien. Et oui, Louis, ça va super bien. D'ailleurs, Roussane, ça va même très bien parce qu'elle est en train de boire son cocktail. Le papa, ben, est-ce que ça va bien, toi? Ça va. Ouais, ça va. Alors, on est toujours à l'hôtel Cap Pirate, en fait, au Cap d'Agde. Et on va faire une night routine. Alors, regardez pourquoi les enfants, ils sont en train de regarder la table parce que regardez ce qu'on a. Voilà. Comme ça, au moins, vous comprendrez pourquoi ils sont autant concentrés sur la table. Donc là, on va faire en fait une night routine. On va manger, mais là déjà, on prend un petit apéritif en fait au bar Poséidon. Donc là, on a plein de choses. On a des charcuteries, des petits cocktails, bien sûr sans alcool, parce que ben voilà. Et puis ben après, on vous retrouve pour le repas. Oui. On va vous montrer aussi un petit peu ce qu'ils font dans le restaurant, mais nous on mangera pas au restaurant parce que ben, on a décidé de faire un barbecue parce qu'il est à disposition dans les chambres. Alors on va montrer un peu aux copains ce qu'ils font à côté au resto quand même. Oui. Allez, ben, je vais vous montrer ça. Je vous montre un petit peu ce qu'ils font au restaurant au Pirata, donc c'est le restaurant de l'hôtel, voilà. Donc ce soir c'est buffet. Tous les soirs c'est buffet à volonté, donc là c'est le petit buffet ratatouille, purée, tout est maison, tout est fait avec des produits frais. Et régionaux, enfin des super bons produits, voilà, donc ça c'est pour les fromages, les petits bah, desserts, il y en a plein, franchement, ça a l'air trop bon. Bon, nous on déjeunera ici, on va pas faire le repas du soir parce qu'on a décidé de faire un barbecue, mais je vous montre un petit peu ce qu'ils peuvent faire, parce que ça a l'air vraiment trop bon. Là, il y a plein de petits fruits frais, et voici du côté des légumes, voilà, donc c'est des petites crudités. Ça a l'air trop bon. Et puis là, on a tout ce qui est en fait les entrées froides avec les sushis. On a même du foie gras, des huîtres. Des huîtres d'ailleurs qui sont des huîtres assez spéciales parce que bah, ce sont des huîtres qui peuvent rester au soleil. Elles sont faites pour ça d'ailleurs. Donc voilà un petit peu le buffet, tout le pain. En fait, il est super bien agencé. Et puis là-bas, on a le chef custo avec sa toque qui est en train de faire des rôtisseries. Voilà. Mais nous, par contre, on va se retrouver bah, du coup dans notre chambre pour faire le petit barbecue. Donc, à tout de suite, les amis. On se retrouve donc devant notre super planche de charcuterie. Alors, en y réfléchissant, je ne sais pas si on va faire le barbecue parce que c'est assez conséquent quand même. Hein. Ah ouais. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup, donc on verra. Je ne sais pas si on va faire du coup le barbecue ou pas. On verra bien. Hein, les loulous, bon, pour le moment, ils mangent. Donc ça va bien, bon, on verra si on fait le barbecue parce que vraiment c'est vraiment copieux. Donc on va... Bon, ils ont déjà attaqué eux, voilà. Santé les loulous. Ouais, santé. Et puis bah, moi aussi je vais attaquer là. Ouais. Alors on est rentré bah, dans la chambre, voilà, comme vous voyez. Alors les enfants n'ont plus trop faim parce que je vous l'avais dit, un barbecue annulé au final. Donc là on va tirer le lit. Voilà, ben papa, voilà, on fait le lit les enfants. Voilà, la night routine ce soir. Et Corentin, tranquille, qu'est-ce que tu regardes toi? Et voilà, il regarde Gulli. Le papa, il tire le lit. Allez, on dirait live. Oh, les papas. C'est marrant. Et voilà. Alors, je pense qu'on va rajouter le bras, etc. Et puis après, ben, on va faire aussi des chamallows au barbecue. Ça vous dit les chamallows au barbecue? Oui. Oui. Ah bah là, c'est des gros, c'est pas pareil. Alors déjà, bon, on a pris les douches, hein, je vous ai pas précisé. On a pris les douches, après on ira se brosser les dents, ouais, après on ira au lit. Et on va faire les chamallows aussi. Ok? Alors les amis, voilà, on se retrouve en tête à tête avec le papa. Voilà, et deux assiettes sur la table. Parce que, ben, comme je vous disais, les enfants, ben, ils ont mangé beaucoup de charcuterie. Nous on n'a pas trop faim non plus, mais on mange un petit peu de la salade, de tomates. Après on va faire bah, des chamallows qui sont là, au barbecue. Et puis bah, les enfants ils sont là-bas, je sais pas si vous voyez, ils sont en train de regarder la télé. Puis après on nous rejoint pour le dessert. Donc bah, bon appétit papa. Parce qu'il faut manger des légumes quand même. Voilà. Voilà, c'est bon pour la santé. Donc moi aussi je vais manger des bonnes tomates. Et puis après on se retrouve pour les chamallows. Ok papa? Ouais. Allez, c'est parti. Alors ça y est papa, t'as allumé le feu pour les chamallows? Ouais. Allez, bah on va manger le dessert. Et toi, t'as déjà attaqué? Ben non. Il est où? J'ai pas encore mangé. Allez, alors est-ce qu'il est c'est bon? C'est seulement le premier. Alors, on n'y voit pas grand-chose, les amis. Hein. Ouh, attention, c'est chaud. On y voit pas grand-chose parce que ben, c'est la nuit. Hein. On est dehors, voilà. Regardez, on est devant le parc aquatique. On monte. Voilà. Donc là, en fait, il y a la piscine. Voilà. Et courant de sang, en fait, tu vas aller dedans. Ah, ben là, il y a la licorne. Vous voyez?
Quentin il va dedans parce que bah je sais pas, il a froid, il fait pas froid. Il fait 28 degrés peut-être dehors, 25-28. Bon bah nous on continue à manger les chamallows alors. Papa je te vois hein, tu fais que d'en manger hein. Bah dépêche-toi, parce que ça. Parce que papa il mange tout, voilà. Bon bah moi aussi je vais manger les amis, je vous laisse. Parce que papa il va manger tout le paquet là. Voilà, il est là le paquet. Regardez comme il est beau ce paquet d'ailleurs. Regardez, c'est un paquet de charbon de bois chamallow. Voilà. Bon bah moi je me dépêche parce que... Oh là là, il y a Océane qui m'appelle. Bon bah je vous laisse les amis. Regardez. Bon, je vous y verrai pas grand chose, mais miam miam miam, je me régale, je crois. Ils sont trop bons. Là, ils sont bons. Bon, bah, on finit de manger les chamallows, puis après, on va aller se brosser les dents. Ils étaient bons, ces chamallows? Ouais. Ça y est, vous êtes fatigué? Oui. Vous êtes devant un petit dessin animé? Bah un petit film. Un petit film? Qu'est-ce que vous regardez? Ah, Barbie. D'accord. Ça te fait courant? On va dire que t'as pas trop le choix avec Océane, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon, bah je crois qu'on va... On regarde la fin ou pas? Ouais. Ouais, on va se coucher. Après, on va se coucher, après on va se brosser les dents surtout. Oui. Parce qu'on a mangé des cochonneries, hein, des chamallows. Donc après on va aller se brosser les dents. Donc on se retrouve pour brosser les dents. Et puis après on ira au dodo parce que je vois que vous êtes déjà en pyjama. Et papa il est là. Tu fais quoi? Et voilà. Je fais rien, je vais boire ma tisane. Il boit une tisane. En fait ils nous ont mis à disposition des tisanes et des thés, mais ils sont trop bons. On a bu tous les dés, toutes les tisanes, franchement, ils sont extra bons. Et voilà, bah voilà, papa, ça y est, c'est le début de la fin, là. Voilà, il boit sa tisane avant de se coucher, voilà. Ça y est, voilà. On va te brosser les dents, toi aussi, hein. Ouais. Ça sera manger les chamallows aussi. Puis t'en as mangé plus que tout le monde, je crois. Non. C'est pas des espèces pour les gauchers. Ah, elles sont bizarres, les tasses, hein. Mais elles sont stylées, franchement, elles sont vachement stylées. On dirait Georges Clooney qui boit du... une tisane. Quand elle? Ça y est, le dessin animé est terminé. C'est le brossage des dents intensif. Ouais, je vois ça. On fera bien, Maman Bon, moi, c'est déjà brossé les dents, tu vois. Papa est déjà au lit. Parce que papa, il est crevé. Il a fait le parc aquatique. Il est complètement crevé. Il avait tué, en fait. Il a fait monter, descendre les toboggans toute la journée, trop fatigué, papa, maman, il dort. Alors bien sûr, les Corentin et Océane ont déjà pris la douche, voilà. Elle est là d'ailleurs, je suis dans la douche pour filmer, voilà. En fait, elle est là et ils ont pris la douche parce que quand on est allé au parc aquatique, et bah, du coup, bah, avant de manger, on a pris la douche bah, parce qu'on était un peu mouillé et on sentait le chlore et tout. Donc je vous laisse finir brosser les dents et puis après on va au dodo, ok? D'accord? Bon bah je vous laisse et puis bah on se retrouve pour dire bonne nuit. Brossage des dents est fini. On va fermer les yeux. On va se reposer. Parce que demain on se lève tôt. Ah bah oui. On va aller déjeuner au restaurant, là, au restaurant qu'on vous avait montré ce soir. On va prendre le petit déj. Il y a plein de choses, vous verrez, c'est un buffet à volonté. Par contre, bah là, ça va être l'heure de dormir parce que demain, toute la journée, on va faire des toboggans et tout, on va être sur le parc et tout, c'est trop bien. Mais sinon, vous avez pensé quoi de votre journée? Qu'est-ce que tu disais, Loulou? On va faire des simulateurs de vagues demain. Ouais, demain, on va faire ça, des simulateurs de vagues, ça va être trop chouette sur des bouées. En fait, j'ai vu, en fait, t'as une bouée, en fait, qui est tenue par une corde et en fait, eh ben, il t'envoie des mini-vagues, donc en fait, toi, eh ben, t'es là, t'es en train de trembler. Et après, là, tu te reçois un gros jet, là, ça fait bouah! Comme si tu recevais une vague, quoi. Bah, on va tester ça demain, alors. Ce soir, mais bien n'importe quoi. On va tester ça demain. Bon, là, on va vous dire bonne nuit, les loulous. Enfin, peut-être pas. Peut-être que vous regarderez la vidéo à 7h du matin, qui sait, hein.
Donc si vous regardez à 7h du mat, bah bonjour. Hein. Nous on va se coucher en tous les cas parce que demain on a une grosse journée qui nous attend. Sinon moi je vous demandais, vous avez pensé quoi de cette journée alors sur le parc? Super bien. Super bien, rien à dire. Hein. Franchement la thématisation elle est trop trop bien. Elle est trop bien en fait. L'hôtel il est vraiment top. Océane, tu dors déjà? Océane elle est fatiguée je crois. Ouais, les chambres elles sont au top. Hein. Franchement, je vous montre un peu comme ça là. Là, bon là c'est un peu le bazar, on a validé tout parce que voilà. Ouais, c'est trop bien, franchement c'est trop trop chouette, je vous refais un petit truc comme ça vite fait. Là il fait nuit, c'est sûr, on n'a pas grand chose. Là on va se coucher, donc les amis, c'est la fin de la vidéo du coup. Fais attention de pas te faire tomber le truc sur la tête hein. C'est la fin de cette vidéo, si ça vous a plu, bah dites-nous quoi. Dans les commentaires. Oui, dans les commentaires. Ouais, bah dites-nous dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit... bonjour le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Aussi, ben, on va vous tourner une morning routine, bien sûr, demain. Oui. On sait pas quand est-ce qu'on la sortira. Et puis, ben, on attendra la prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous et on vous dit... ciao. Ciao, moussaillon. On va pas faire trop de bruit parce que papa, il dort déjà. Allez, ciao, ciao, les amis. Ciao. Des bisous. Ciao. Bonne nuit, Océane. On dort déjà, là, j'ai plus d'aide, fatiguée. Bonne nuit, les loulous.